le bataillon d'exploration parti pour trouver une route vers Shiganshina croisa le chemin d'un titan féminin doté d'intelligence. Alors que les soldats tombaient les uns après les autres, un corps d'armée se précipitait dans la forêt aux arbres géants sans que personne n'en comprenne la raison. Si l'escouade du caporal chef Levi ne fait rien, qui va se charger d'éliminer ce titan? Non! Encore un mort! On aurait peut-être pu le sauver! Choisis. Est-ce que tu crois en toi? Ou est-ce que tu crois en nous, le bataillon d'exploration? Je continue d'avancer! Ça alors? L'objectif était donc de capturer ce titan. Alors Eren, t'as vu ça? Qu'est-ce que tu en dis? On a enfin réussi à la capturer! C'est ça la force du bataillon d'exploration. Alors t'as pas intérêt à nous faire des entourloupes. Tu as pigé? J'ai pigé! Ça a marché, on dirait qu'elle ne bouge plus. On dirait oui, mais il faut rester prudent. En tout cas, bravo. Vous avez réussi à l'amener jusqu'ici. C'est grâce au sacrifice des escouades des lignes arrières qu'on a réussi. On a pu gagner du temps. Sans elles, cela aurait été impossible. Oui, je vois. Ouais. Et grâce à elles, on va pouvoir faire la connaissance de celui qui se trouve dans sa nuque. Cet enfoiré doit certainement se faire dessus à l'heure actuelle. Est-ce que c'est un déviant? Ou est-ce qu'elle est comme le titan colossal? Si ça se trouve, c'est le Major Erwin qui a tout... Hé hey! Arrête de rêvasser! Eren! Tu réfléchiras plus tard! Pour le moment, on doit trouver un endroit où se poster! D'accord. Attends une minute, Levi. Ne prenons pas de risques. Deuxième et troisième vague! Feu! Utilisez les réserves! À grimper aux arbres. Oui, je vois ça. Mais ne t'inquiète pas. Si celui-ci réussit à grimper jusqu'ici, je le dégagerai. Enfin, je pense que l'ordre de repli ne devrait pas tarder à être donné. Vous croyez que les explosions qu'on entend depuis tout à l'heure ont un rapport avec l'opération? Je ne sais pas. À ton avis, c'est quoi ces bruits qu'on entend, Mikasa? Tu crois qu'il tire au canon dans la forêt? Personnellement, ça m'étonnerait. Je ne crois pas qu'ils aient emporté des canons avec eux. Quel vacarme depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, Bertolt, tu ne saurais pas où est allée Krista par hasard?
Non, désolé, je n'en ai aucune idée. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que je fous là? Je veux rentrer chez moi. Faut se tirer de là, Armin, on lève le camp! Hein? Le salopard! On dirait qu'il a chopé le truc! Bon sang, ces saletés grimpent aux arbres de mieux en mieux! Ce qui veut donc dire qu'ils sont capables d'apprendre, ce qui n'est pas rassurant. Même si cette aptitude doit varier selon les individus. Armin! On dirait qu'il se passe quelque chose dans la forêt. Et j'ai ma petite idée de ce qu'ils y font. Je suis sûr qu'ils ont attiré le titan féminin jusqu'ici pour la capturer. Ah. Ou plus exactement, pour capturer l'humain qui est à l'intérieur. L'objectif du Major Erwin. C'était ça depuis le début. C'est bien ça, n'est-ce pas? Que nous, les nouvelles recrues, nous n'ayons pas été mis au courant, je comprends. Mais que vous, les anciens, vous n'en ayez pas été informés, ça me sidère. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Oui, bah, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu insinues, Eren? Que le Major et le caporal-chef ne nous font pas confiance, c'est ça que tu veux dire? En fait, c'est un peu ce que j'ai voulu dire, oui. Petra, arrache-lui les dents, mets-lui les molaires à la place des incisives. Arrêtez vos chamailleries, Eren a parfaitement raison. Hein? Le Major ne nous fait effectivement pas confiance et il a certainement une très bonne raison. Ah oui, laquelle? Je ne vois qu'une raison de douter de son équipe. Il doit y avoir un traître parmi nous. Ça peut être un humain se changeant en titan ou alors une sorte d'espion qui coopère avec les titans. Hein? C'est ce que tu penses également, n'est-ce pas, Armin? Que dans notre armée... Oui. Il y en a sûrement un. Un espion? Il y en aurait un parmi nous? En tout cas, le Major semble en être persuadé. Les seuls soldats à être probablement au courant de cette opération de capture du titan féminin sont les survivants des 5 dernières années. Je comprends, c'est donc pour ça. Oui, il n'y a aucun doute possible. Est-ce que tu as pigé Eren? C'est pour ça qu'il ne nous a rien dit. Oui, dans ce cas, effectivement, je comprends maintenant. Oui. Il y a 5 ans, quand le mur a été détruit pour la première fois, le Major Erwin supposait déjà qu'un espion s'était infiltré dans l'armée. Je pense qu'il a alors essayé de l'identifier. Je vois. Et j'imagine que c'est ce même espion qui a tué Sonny et Bean. Oh. Mais oui, je me souviens. Ce jour-là, le Major m'a justement posé cette question. Dis-moi, Eren, toi, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu sais où se trouve notre ennemi? Oui, je comprends sa question, à présent. Et si on avait su y répondre, on aurait certainement été appelé à participer à cette opération de capture. Mais je ne vois pas qui de nous en aurait été capable. Moi, j'avais tout de suite compris son petit jeu. C'était évident, mais je me suis permis de ne pas répondre à sa question. Et vous savez pourquoi je me suis autorisé ce petit luxe? Non, pourquoi? Non, je n'y crois pas. Ne me dites pas que vous n'avez pas deviné. C'est pas vrai. Enfin, ça ne m'étonne pas du tout de vous. Après tout, vous êtes encore loin d'être à mon niveau. Dis, tu essaies une nouvelle fois d'imiter le caporal-chef Levi, là? Il ne dirait jamais ça. Si ce plan réussit, nous en saurons plus sur ce monde. Seulement, il y a trop de soldats qui sont morts lors de cette opération. Tu penses que le Major n'aurait pas dû lancer cette opération? Non, ça doit certainement pas être ça. Si grâce à ses sources, il connaissait effectivement l'existence de ce titan féminin, il aurait probablement agi différemment. Ainsi que ton chef et les membres de ton escouade. Non, je suis sûr qu'il a fait le bon choix. Hein? Tu oses affirmer qu'il a fait le bon choix? Est-ce que tu te rends compte du nombre de soldats qui sont morts aujourd'hui? Jean, c'est facile de dire après coup ce qu'il aurait fallu faire. Personne ne peut connaître le résultat à l'avance. Et malgré ça, il y a toujours un moment où il faut faire un choix douloureux. Mais il faut le faire. Ouais. Entre les vies de 100 compagnons et celles du reste de la population, le Major a fait son choix. Il a choisi de sacrifier les vies de 100 soldats pour espérer sauver l'humanité. Eren, tu dois ignorer pourquoi le Major Erwin Smith est à la tête du bataillon d'exploration. Espoir de l'humanité. Personne ne t'en a parlé jusqu'ici, mais il y a une très bonne raison à cela et tu la découvriras bientôt. Même le caporal-chef Levi lui fait entièrement confiance, alors? Bientôt? Encore faut-il qu'il arrive à rester en vie jusque-là. Je suis jeune et je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais il y a une chose dont je suis absolument certain. Il faut savoir faire des sacrifices importants pour arriver à changer les choses. Ça, je le tiens de grands hommes, qui ont su tout risquer jusqu'à leur propre vie. Certains sont même prêts à sacrifier leur humanité quand il s'agit d'affronter un monstre. Ceux qui ignorent le sacrifice sont sûrs de ne rien changer.
Eh ben alors, même si ça te démange, tu peux plus te gratter. Tu ne peux plus faire le moindre mouvement. Et sûrement définitivement. Avec le temps, grâce à ce système ingénieux, les plaies se referment en même temps que les articulations se durcissent. On ne peut toujours pas extraire le précieux contenu. Qu'est-ce que Levi et Mike fabriquent ? Elle peut recouvrir une partie de son corps d'une carapace extrêmement solide. Cette caractéristique rappelle le titan cuirassé. Cette carapace va-t-elle finir par se rompre si on continue les attaques tridimensionnelles à la lame? On n'a pas le temps d'essayer. Dans ce cas... Oui, Major. Préparez-vous à faire feu. Faites exploser les mains de l'objectif. Mais avec la puissance de notre équipement, il y a un risque très important. Je veux dire, il est fort probable que le contenu explose en même temps que les mains. Dans ce cas, faites en sorte de lui sectionner les poignets. À mon signal, soldat, déclenchez tout simultanément. Bien reçu. Allez, si tu sortais maintenant... On n'a pas que ça à faire, nous. Tu sais ce qu'on va faire de toi ? À ta place, je m'inquiéterais. Je ne vois vraiment pas comment tu pourrais te sortir de cette situation. Tant qu'il te reste encore un peu de temps, pense aux hécatombes que tu as causées. Au fait, tu as tué mes hommes de différentes façons. Est-ce que tu y as pris du plaisir, au moins ? Parce que moi, en ce moment, j'en prends du plaisir. Mais je suis sûr que toi aussi, pas vrai ? Je suis sûr que tu me comprends. Tu as si souvent été à ma place. Tu connais ça, hein ? Ah oui. Je voulais te demander... Ça ne te pose pas de problème si on te sectionne les membres. Ils vont repousser, n'est-ce pas ? Je parle de ton corps d'humain, bien entendu. Parce que si tu mourais, ce serait embêtant. Ça t'amuse, hein? Nous faire flipper comme ça. On aurait dit qu'il poussait son dernier cri. Erwin, je les sens. Ils arrivent de quel côté? Ils arrivent en même temps de tous côtés, ils sont nombreux. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Regarde, ils entrent tous dans la forêt! Et pourquoi ils nous ignorent maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Mais alors, si je comprends bien, tous ces titans étaient des défiants? On s'en fout, il faut à tout prix les arrêter! Allez! À l'attaque! Pourquoi si brusquement? Attends! Hein? Le cri de tout à l'heure, je l'ai déjà entendu! Dans la forêt où je vivais, c'est le cri que poussent les animaux traqués quand ils sentent que leur dernière heure est arrivée! On m'a toujours dit que dans cette situation, il fallait faire très attention! Donc tu veux que je fasse attention, c'est ça? Tu dois être 100 fois plus vigilante que d'habitude! Si tu sous-estimes la forêt, tu t'en sortiras pas! Ne t'inquiète pas, moi aussi j'ai été élevée dans la nature. Mais tu faisais pousser des légumes, ça n'a rien à voir! Les intuitions de Sacha se révèlent souvent exactes. Surtout quand ce sont de mauvais pressentiments. D'après Armin, Eren serait à l'arrière des lignes centrales. Dépêchez-vous de préparer les dynamites! Erwin, écoute! Ils vont d'abord arriver par l'est. Les voilà, ils arrivent. L'escorte et les chariots! Passez immédiatement à l'attaque! Ils nous ignorent! Ce sont sûrement des déviants! Trois titans sont passés! Caporal, chef Levi! Alors c'était ça. Tu as hurlé pour ramoter tes petits copains.
Ils s'attaquent aux titans féminins ? Oh ! Ils surgissent de partout ! Passez immédiatement à l'attaque ! Défendez le titan féminin ! Nous rentrons au district de Caranès. C'est un échec. Quoi? C'est quoi cette tête? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît ce spectacle? L'ennemi avait prévu de tout abandonner dans le cas où il se ferait capturer, jusqu'à se faire bouffer par les titans pour effacer toute information. Voilà le résultat après tous ces efforts. C'était bien la peine de faire tout ce bluff pendant l'assemblée. Maintenant, si on rentre les mains dans les poches, qu'est-ce qui va nous arriver à nous et à Eren? On y pensera quand on sera rentré. Pour le moment, il faut tout mettre en œuvre pour que nous puissions rentrer sans faire davantage de victimes. Jusqu'à la prochaine fois. La vapeur du cadavre rend la visibilité mauvaise. Ça pourrait gêner la communication par fumigène. Je vais chercher mon escouade. Non, attends, Levi. Prends avec toi du gaz et des lames supplémentaires. Pourquoi? J'ai pas le temps. Et de toute façon, j'en ai suffisamment. Tu n'as pas le choix. C'est un ordre. Bien, comme tu voudras, Erwin. Je vais me fier à ton appréciation. L'ordre de repli général. Nous rentrons. Allons retrouver les chevaux. D'accord. Quoi? Ça y est? C'est terminé? On peut rentrer? Oh. On rentre! Enfin! Qu'est-ce qui se passe? Et Eren? On dirait bien que l'opération est terminée. On se prépare pour le repli! Retournons aux chevaux! Vous avez entendu? Allons voir la tête qu'a la pourriture qui était dans ce titan. Si ça se trouve, c'est une charmante demoiselle. Alors comme ça, on va pouvoir la démasquer? Oui, et c'est grâce à toi, Eren. Je n'ai rien fait de particulier. Comment ça, t'as rien fait de particulier? Tu as cru en nous? Je te rappelle que c'est parce que tu as choisi de continuer d'avancer que nous en sommes là. C'est toujours très difficile de faire un choix, surtout le bon. C'est bon, arrête de lui lancer des fleurs, Petra. Qu'est-ce qu'il a fait au juste? À part passer son temps à nous casser les oreilles, je vois vraiment pas. Remarque, si tu rentres en vie après cette première mission, t'auras de quoi te réjouir. Alors attendons d'être rentré pour te jeter des fleurs, on verra à ce moment-là. Est-ce que c'est clair, Morveux? Jusqu'à ce que tu rentres chez toi, ta vie ne tient qu'à un fil. Oui, c'est parfaitement clair, j'ai compris. Oh wow, Petra, je vous rappelle que vous pleuriez en vous pissant dessus lors de votre premier combat. Vous avez fait du chemin depuis. Non! Qu'est-ce qui te prend de raconter ça à Erdo? Tu veux que je perde ma dignité? Ce n'est que la vérité. En ce qui me concerne, Eren, sache que je me suis jamais fait dessus. Escroc! J'ai éliminé plus de titans que toi. Mes résultats sont meilleurs que les tiens. Je suis meilleur que toi, ordure. Ce n'est pas le nombre de titans qu'il a tué qui fait la qualité d'un soldat. Ferme-la, crétin! Si je comprends bien, Petra, tu t'es laissé aller en plein combat? Ça suffit maintenant! Vous vous croyez en pique-nique ou quoi? On est toujours sur le territoire des titans! Au fait, moi non plus, je ne me suis pas pissé dessus. Tiens, ce signal doit venir du caporal-chef Levi. On va rejoindre le caporal-chef! Vous reparlerez de ça plus tard! Erwin! Pourquoi tu as demandé à Levi de se ravitailler? On n'a pas le temps pour ça. Le titan féminin s'est fait bouffer.
Mais est-ce que tu as vu la personne qui était dedans se faire bouffer également? Moi, non. Tu veux dire que... Oui. En considérant la théorie dont tu m'as fait part l'autre fois, si on a affaire à un individu qui peut se détacher de sa transformation... Et s'il s'était pourvu à l'avance d'un équipement tridimensionnel, alors il porte en ce moment le même uniforme que nous. Caporal chef Levi? Ce n'est pas lui. Mais alors, qui va là? Gunther! Attendez, pourquoi? Gunther! Et il s'est mêlé à nos troupes. Thank you.